C'est une première dans notre région. Les chauffeurs de VTC ont manifesté ce matin. Leur mécontentement s'est traduit par une opération escargot et des barrages filtrants sur l'autoroute A1 entre l'aéroport de Lille-Léquin et les gares de Lille. À l'appel du syndicat SCP, ils réclament la mise en place d'un tarif minimum acceptable qui ne soit pas dicté par les plateformes de mise en relation comme Uber. Et puis, ces chauffeurs estiment également qu'ils devraient avoir le droit d'utiliser les voies réservées aux bus et aux taxis. Ils réclament donc des zones de stationnement. Écoutez ces explications recueillies ce matin par Vincent Vieillard. Le VTC, c'est une alternative au taxi. Donc laissons le choix à l'usager de façon qu'on le prenne en charge dans de bonnes conditions, que ce soit aux gares et que ce soit aux aéroports. Aujourd'hui, on n'a pas de place réservée, ni pour les déposes, ni pour les prises en charge. Il y a pas mal de choses qui bougent à Lille au niveau des travaux et on n'est pas concerté savoir si on va bénéficier de cet aménagement.